Alors, c'est mon grand plaisir de vous présenter Dr Thomas de Coninck, qui est professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, dont il a été le doyen de 1974 à 1978. Il a également été professeur invité à l'Université de Bourgogne à Dijon, à l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi qu'à la University of Notre-Dame aux États-Unis. Monsieur de Coninck est aussi titulaire de la chaire d'enseignement et de recherche « La philosophie dans le monde actuel », comme vous le savez sûrement déjà, dont la mission consiste à témoigner du rôle essentiel de la philosophie dans la société contemporaine. Il a publié de nombreux essais, articles et conférences. Parmi ses ouvrages, on compte ceux intitulés « De la dignité humaine », couronné par le prix « La Bruyère » de l'Académie française, et également « La nouvelle ignorance et le problème de la culture » paru en 2001, « Philosophie de l'éducation, essai sur le devenir humain » paru en 2004, et « Aristote, l'intelligence et Dieu » en 2008, publiés tous les quatre aux presses universitaires de France. Il faut encore ajouter le livre intitulé « La crise de l'éducation » ainsi que « Philosophie de l'éducation pour l'avenir » paru respectivement en 2007 et en 2010, ainsi que « Question ultime » et « À quoi sert la philosophie » à être publiée tout prochainement. Mentionnons également que Dr de Coninck a également été reçu officier dans l'Ordre des Palmes académiques en France en 1996, qu'il a été élu à l'Académie des lettres et sciences humaines de la Société royale du Canada en 2002, nommé membre de l'Ordre du Canada en 2005, et qu'il a été reçu titulaire de la chaire de métaphysique Étienne Gilson à Paris 2007-2008. Alors, accueillons Dr de Coninck. Merci beaucoup pour cette beaucoup trop généreuse présentation. Que veut dire mourir dans la dignité? Toute tentative authentique de répondre à cette grave question oblige à bien cerner au préalable, avec un minimum de rigueur, les termes qu'elle met en présence et leur portée. Un certain flou continue de régner autour du sens du mot « dignité ». Je commencerai donc par quelques rappels à ce sujet, avant de prendre en considération la question du mourir lui-même, qui est un des thèmes fondamentaux de la philosophie depuis le Phédon de Platon, décrivant la mort de Socrate et définissant la philosophie comme une préparation à la mort. Mais l'était un atout 81a dans le Phédon. Et dans un troisième temps, je tenterai d'esquisser des éléments de réponse à la question. Mon exposé se découpera en trois étapes par conséquent, trois temps, suivi d'une très brève conclusion, donc dignité, deuxièmement mourir, troisièmement mourir dans la dignité, et très brève conclusion. D'abord dignité. Trois rappels s'imposent en premier lieu. Il va y avoir des choses que je vais dire qui vont recouper certaines choses qui ont été dites aujourd'hui, mais tant mieux, c'est un mot de clôture après tout. Premièrement, premier rappel, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 s'ouvre sur la constatation, on l'a cité tout à l'heure, que, je cite, « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Le cinquième considérant ayant proclamé à neuf la foi des peuples des Nations Unies dans, je cite, « les droits fondamentaux de l'homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine », dans l'égalité des hommes et des femmes, l'article 1er précise que, je cite encore, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » L'article 3, ça a été cité par le professeur Rico ce matin, l'article 3 affirme que, citation, « tout individu a droit à la vie, à la liberté » et à la sûreté de sa personne, dans cet ordre. L'article 5, donc, vie, liberté, sûreté. L'article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article 7, tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
et ainsi de suite. La liste des droits fondamentaux découlant de la simple reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine est à la vérité impressionnante. L'accent de l'article 3 sur le droit à la vie comme le plus fondamental, que présuppose par la force des choses le droit à la liberté et le droit à la sûreté de sa personne, s'avère particulièrement significatif, comme le constatait du reste Hans Jonas dès la première page de son essai intitulé « Le droit de mourir ». Je cite Jonas, « Tout discours sur les droits a toujours référé au plus fondamental d'entre eux, le droit de vivre. » Il souligne « vivre ». Il ajoutait à juste titre, je cite encore, « En effet, chaque autre droit qu'on n'ait jamais évalué, demandé, accordé ou refusé peut être considéré comme une extension de ce droit premier, puisque tout droit particulier concerne l'exercice de quelques facultés vitales, l'accès à quelques besoins vitaux, la satisfaction de quelques aspirations vitales. » Fin de citation. Il nous faudra manifestement revenir sur ce point. Cependant, la question qui se pose d'emblée est comment entendre et comment expliquer un accord aussi fondamental et unanime entre les nations autour du caractère absolument prioritaire de la dignité humaine. Certes, l'indignation devant les abominations nazies a su agir comme un déclencheur, on ne peut plus salutaire, mais il y a bien plus que cela encore en l'occurrence. Ce qui doit étonner en effet, c'est le fait qu'une affirmation aussi ferme et clairement articulée du caractère absolument premier de la dignité humaine ait pu susciter en même temps pareille unanimité entre des nations et des cultures pourtant si diverses à tant de points de vue. Deuxième rappel. Un second rappel qui s'impose est le suivant. On doit à la pensée moderne d'avoir su proposer une formulation philosophique particulièrement éclairante. Appliquée à l'être humain, le mot de dignité doit s'entendre de manière non sentimentale, rigoureuse. Il signifie rien de moins que ceci. L'être humain est infiniment au-dessus de tout prix, comme un écho du propos justement célèbre de Pascal, « Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme ». Emmanuel Kant a excellemment défini, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, la distinction fondamentale entre dignité et prix. Je cite Kant, « Dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix et par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. » Fin de citation. L'être humain, précise Kant, je cite encore, existe comme fin en soi et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. Dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin, il souligne. Les personnes ont ainsi une valeur absolue, non relative. On ne saurait être plus clair. Reconnaître en pratique la dignité humaine, c'est dès lors reconnaître qu'on ne peut jamais réduire un être humain au statut de moyen, que tout être humain a la dignité d'une fin, qu'elle ou lui est un être en vue de qui on doit agir. Voilà qui est très éclairant s'agissant des soins, en particulier des soins palliatifs. On y entrevoit en effet déjà que si l'être humain a droit à des soins jusque dans l'état de déréliction le plus extrême, c'est précisément que la dignité humaine l'exige. Il demeurera toujours un être en vue de qui on doit agir. Il est clair qu'il faudra revenir sur ce point également. Le troisième rappel, et non le moindre, est ce que Paul Ricoeur a décrit avec bonheur comme une exigence plus vieille que toute formulation philosophique. Cette exigence a toujours été que, je cite, « quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain ». On vient déjà de le citer à l'instant. Dans toutes les cultures, à toute époque, un fragment de tragédie, une épigramme, un texte législatif, un proverbe, une inscription funéraire, un conte, une chanson, une œuvre d'art, une œuvre de sagesse en auront témoigné. C'est ce qu'atteste au surplus la magnifique anthologie intitulée « Le droit d'être un homme », publiée en 1968 par l'UNESCO sous la direction de la philosophe Jeanne Hirsch. Il s'agissait, dans ses propres termes, je cite Jeanne Hirsch, d'un recueil de textes issus de traditions et d'époques les plus diverses qui, rehaussant par cette diversité même de leurs origines
l'unité profonde de leur signification illustre l'universalité dans le temps et dans l'espace de l'affirmation et de la revendication du droit d'être un homme, qu'elle souligne. Bien plus, la reconnaissance de cette exigence se précise à mesure que s'affirment les civilisations, la plus remarquable étant celle qu'on y accorde d'emblée aux plus faibles et aux plus démunis. La place centrale de la mansuétude et du respect à l'égard des humains en état de dépendance et de faiblesse. En Inde, les lois de Manu, d'origine ancienne, déclarent sans ambages « Les enfants, les vieillards, les pauvres et les malades doivent être considérés comme les seigneurs de l'atmosphère, « the lords of the atmosphere ». La sagesse chinoise met au premier rang la capacité de conforter les autres, surtout chez Confucius. Le respect des pauvres, dans tous les sens du terme, de ceux qui souffrent, est, on le sait, au cœur des traditions juives et chrétiennes. Le Coran fait état des devoirs envers les orphelins, les pauvres, les voyageurs sans logis, les nécessiteux, ceux qui sont réduits à l'esclavage. La compassion est un des deux idéaux principaux du bouddhisme. Partout, on semble pressentir que c'est dans le dénuement que l'humain se révèle le plus clairement et impose, pour ainsi dire, sa noblesse propre, celle de son être, non de quelque avoir à la conscience. Chez les Grecs, la parole du vieil Édipe, aveugle et en haillons, pratiquement abandonné, l'exprime on ne peut mieux, dans Édipe à Colonne, « C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. » Fin de citation. Plus étonnant encore, si c'est possible, est le respect des morts, auquel on vient justement de faire allusion de façon très pertinente, et le respect des morts, illustré dès la nuit des temps par les premiers humains qui ensevelissent leurs morts selon des rites. Pourquoi est-on ému jusqu'à l'approbation encore aujourd'hui devant la décision de la jeune Antigone, dans la grande tragédie de Sophocle qui porte son nom, de refuser, au péril de sa propre vie, de laisser là, sans larmes ni sépulture, je cite Sophocle, peinture des oiseaux ou des chiens, le corps de son frère Polynice, pourtant dénoncé comme traître, et de défendre son droit à la sépulture, son appartenance à une commune humanité, au nom, dit-elle, de lois non écrites, inébranlables des dieux. Le mort à l'état de cadavre n'étant plus, et entièrement à la merci des forces naturelles, les vivants ont à son endroit un devoir sacré, celui de faire en sorte que, tout cadavre qu'il soit, il demeure membre de la communauté humaine. Le symbole du rite de la sépulture le rend à nouveau présent. Le jugement d'Antigone est d'ordre éthique, car il a la forme d'un engagement. Je déclare que le cadavre de mon frère mérite tous les honneurs dus à un être humain et c'est mon devoir, puisque je suis sa sœur et que nos parents ne sont plus, d'agir en conséquence même au prix de ma vie. L'écho universel que suscite de tout temps, y inclut le nôtre, cet engagement éthique d'Antigone implique que même le cadavre, les restes sous quelque forme que ce soit d'une personne, fût-elle condamnée, ont droit à des rites sacrés. Le rite de la sépulture le restitue à la communauté humaine à laquelle il appartient en droit. Or, si cela est juste, s'agissant des morts, et même les restes d'un homme condamné, mérite pareil respect, que penser d'un corps humain vivant, si démuni ou vulnérable qu'il puisse être? L'exemple d'Antigone met ainsi magnifiquement en lumière, a fortiori, la grandeur et la nécessité des soins prodigués aux patients jusqu'au dernier instant de sa vie. Mais son exemple a une autre dimension capitale, celle du droit non écrit. Car elle fait appel à des lois non écrites, inscrites dans le cœur humain, laissant pressentir ce que Claude Bruère a fort bien résumé à propos de la médecine, je cite Claude Bruère, « La législation positive n'est pas tout, elle suppose des lois non écrites, elle règle un métier mais ne peut prescrire toutes ses normes éthiques. Un médecin ne suit pas seulement un code officiel déontologique, même s'il doit le faire avec intelligence et rigueur, car il est au contact de questions qui ne relèvent pas seulement du droit écrit. » Fin de citation. Cela aussi devra être pris en considération dans ce qui suit. Voilà donc en première approximation pour le mot « dignité ». On le voit sur le plan éthique à tout le moins, la reconnaissance de la dignité humaine est aux antipodes
d'une conception décorative de la dignité, pour citer une formule de Gabriel Marcel, où l'on remplirait son personnage pour se marquer au dehors, pour citer les formules d'André Gide. Deuxième étape, mourir. Cela étant, un premier ordre de questions naît cependant aussitôt. D'où vient au juste la dignité ainsi reconnue aux pauvres ou à l'infirme, aux malades et aux mourants, à celle ou celui qui n'a rien, voire, diront certains, qui n'est plus rien? D'où viennent ces manifestations diverses d'un respect profond des morts qui semble caractériser toutes les civilisations au point d'en marquer la naissance même? Pourquoi la profanation des sépultures est-elle pour toute personne civilisée un acte révoltant, impie, barbare? Pourquoi l'expérience de la mort occupe-t-elle une place si centrale dans l'histoire de l'humanité? On pourrait aller jusqu'à dire, écrivait Gadamer, que c'est elle qui a introduit dans cette histoire son devenir homme. Nous venons de l'évoquer, l'être humain offre au ciel la sépulture d'une tombe marquée de rites et de signes sacrés. Le grand paléanthropologue Lauren Isley déclarait, je cite, « Il faut rappeler ce qui a été finalement découvert dans la petite grotte française près de la chapelle aux Saints en 1908. Nous voici à même d'observer à travers des millénaires un spectacle très émouvant. Car ces hommes au cerveau prisonnier d'un crâne présageant le singe, ces hommes dont des savants avaient soutenu qu'ils ne sauraient posséder de pensée au-delà de celle de la brute, avaient enseveli leur mort dans la douleur. Tel est le geste humain par lequel nous reconnaissons un homme, même si c'est sous un front rappelant celui du singe qu'il nous considère. » On a par la suite déployé tout au long de l'histoire un faste infini en l'honneur des morts, en cérémonie et en ornement, en de splendides œuvres d'art, vues à l'origine comme autant d'offrandes. Cette pratique, ajoute Gadamer, confère à l'homme un statut unique. Elle le distingue des autres êtres vivants au même titre que la possession du langage, à moins que ce ne soit d'une manière plus originelle encore. Gadamer observe en outre que les liens avec la religion ressurgissent à la vue de cet événement qu'est toute mort. Même à une époque, je cite encore Gadamer, même à une époque où l'athéisme se développe à l'échelle des masses, les incroyants et ceux qui, à la vérité, sont totalement sécularisés, maintiennent ces formes de culte. Même dans les pays athées, la coutume chrétienne ou celle d'autres religions est tolérée à côté de la célébration des morts instituée par le politique et le séculier. Fin de citation. Eugène Minkowski faisait remarquer avec justesse qu'on se découvre devant un mort, on devient grave et dans une attitude méditative, on se penche sur la fin d'une vie, non pas de la vie tout court, mais justement d'une vie. La mort fait surgir la notion d'une vie, elle le fait en mettant fin à cette vie. En présence de la mort, je vois toujours toute une vie se dresser devant mes yeux, et cela même quand j'ignore tout de celui à l'existence duquel elle vient de mettre fin. La mort est un phénomène essentiellement individuel, non parce qu'elle ne frappe que des individus, mais parce qu'elle vient parachever la notion de l'individu. Fin de citation. Il n'empêche que, dès l'Antiquité tardive, le sophisme d'Épicure apparu de bon ton à certains. La mort n'est rien par rapport à nous, puisque quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus, disait ce paralogisme. Ou, selon la formule plus simple encore d'Anatole France, « Je suis, elle n'est pas, elle est, je ne suis plus ». En d'autres termes, la mort sera un état qui exclurait l'expérience, de sorte que la craindre reviendrait à craindre un mot seulement. Paul-Louis Landsberg considérait avec raison ce qu'il appelait ce sophisme de l'inexistence de la mort comme une ruse odysséenne pour échapper, je le cite, comme une ruse odysséenne pour échapper sinon à la mort, du moins à l'idée et à l'obsession de la mort. Mais l'intérêt de ce paralogisme est de révéler du même coup ce qu'il advient de la mort pour peu qu'on la traite abstraitement, ce que fait le paralogisme.
comme si la vie et la mort n'étaient que deux états en quelque sorte juxtaposés. Il fait tout uniment l'économie de ce qui nous intéresse à présent, la mort concrète, le mourir lui-même. On ne peut penser sa propre mort concrète. Au sens étymologique du mot « connaître », celui de naître avec, je ne la connaîtrai qu'en mourant. Je ne pourrai la vivre littéralement que lorsque, existant toujours, je mourrai, c'est-à-dire dans l'instant même de ma mort. Nul ne peut mourir à ma place. Je peux donner ma vie pour quelqu'un, mais je ne peux pas mourir à sa place au sens strict. Notre propre mort nous appartient en ce sens et nous avons le droit de ne pas en être privés. Mais puisque c'est ainsi, comment peut-on parler d'une expérience de la mort avant la lettre, pour ainsi dire? Je pense que la réponse se trouve dans le fait que nous vivons la mort déjà dans celle d'autrui, non pas en quelque sens anonyme, mais dans celle des êtres qui nous sont chers. Saint Augustin l'a magnifiquement exprimé au quatrième livre des Confessions, à la suite de la mort d'un ami, je le cite, « Et je m'étonnais encore plus que moi je suis vécu après sa mort, puisque j'étais son autre soi-même. » L'ami est un autre soi, comme l'avait déjà établi Aristote. Car l'ami véritable, justement, est effectivement un autre soi. J'étais devenu moi-même une grande question pour moi, reprend Augustin. L'amitié authentique se vit dans la réciprocité, l'échange en profondeur de nos êtres respectifs, toi et moi. Je vis alors la vie de l'autre et sa mort aussi comme mienne. Paul Ricoeur a fort bien rendu cela dans les termes suivants, c'est dans la philosophie de la volonté. Cet homme qui meurt seul est un autre que moi, mais il est aussi un autre moi-même. Mon semblable avec qui je communie dans la même condition d'homme, je vois l'homme mourir en Callias. C'est pourquoi plus l'autre sera par l'amour mon semblable, plus aussi la loi de la mortalité me touchera et me blessera. La rencontre décisive avec la mort, c'est la mort de l'être aimé. La mort y est vraiment pressentie comme fin, irréparable. Le mort est celui qui ne répond plus, il est absent, disparu. De toi à moi, l'expérience de la mort comme événement final ne passe pas. Certes, quelque chose de moi est mort, mais non pas moi. Si l'amour souffre, c'est précisément parce que l'un est parti et l'autre resté. Chacun meurt seul et chacun est laissé seul sur le rivage. Fin de citation. Voilà donc un premier sens à donner à l'expression « vivre la mort ». On pressent vite en effet que cette expression est polysémique. Il y a la mort des autres, pourvu qu'on les aime. Il y a également, à un tout autre niveau, celle des grandes figures tragiques, comme King Lear ou Édipe Roi, où la grandeur de l'être humain apparaît dans sa vulnérabilité même, comme nous le disions. Pourquoi émeuvent-elles à ce point les auditeurs ou spectateurs de tous les temps? C'est que nous y revivons d'une certaine manière notre condition. Il y a un tragique de la mort, un masque terrifiant en somme, qu'on ne saurait dénier sans se mentir à soi-même. Autrement, la vie humaine ne serait plus qu'un spectacle de marionnettes, comme le faisait observer Gabriel Marcel. Ce qui permet à George Steiner d'écrire, je cite, « C'est pourquoi il y a dans le dénouement de la grande tragédie, qu'elle soit grecque, shakespearienne ou classique, un mélange de douleur et de joie, de lamentation sur la chute de l'homme et d'allégresse pour la résurrection de son âme. Aucune autre forme poétique ne produit cet effet mystérieux qui fait d'Édipe, du roi Lear et de Phèdre les créations jusqu'à ce jour les plus nobles de l'esprit. » Fin de citation. Mais revenons au concret de la mort vécue. Le mourant est un vivant. Au moment ultime, le mourant est tout entier dans l'acte de mourir. Mourir est un acte. Afin d'y voir plus clair, on doit absolument faire intervenir ici l'expérience de la liberté dont nous jouissons en notre fort intérieur. Nul ne peut pénétrer dans le fort intérieur d'autrui. Nul ne peut me forcer à aimer ou à ne pas aimer qui ou quoi que ce soit en mon fort intérieur. Bien plus, l'expérience interne de penser et d'aimer révèle que l'éclair d'un instant suffit pour faire tout basculer dans un nouveau sens. Je puis en un seul instant changer du tout au tout intérieurement.
Rappelons-nous l'expérience de ceux qui ont failli mourir et qui ont revu en un instant toute leur vie, dont a témoigné, entre autres, Dostoïevski. De même, en un instant de rêve, on peut vivre un temps prolongé en apparence. Il est bien établi depuis longtemps que l'instant est un indivisible qui ne fait pas partie du temps, mais le transcende. Cette précision est capitale s'agissant de la mort. Troisième étape, mourir dans la dignité. Qu'en est-il cependant du sens de mourir dans l'expression « mourir dans la dignité » ? On l'entrevoit d'emblée maintenant, il s'agit de mourir humainement. Mourir dans la dignité n'a d'ailleurs rien à voir avec une mise en scène. Il s'agit au contraire de pouvoir faire sienne sa mort, la vivre dans le respect de sa dignité proprement humaine, de femme ou d'homme libre. Je le répète, mourir est un acte. Il faut pouvoir agir sa mort, la faire sienne, la vivre dans le respect de la dignité de son fort intérieur. Le discours que diffuse la culture ambiante peut inciter à n'accorder de valeur qu'à l'efficacité, à la santé glorieuse, à la performance physique et intellectuelle et à l'intégrité corporelle, alors que ces réalités quotidiennes que sont l'échec, la maladie ou la mort font appel à des ressources qui pour d'aucuns sont moins familières. Or, s'agissant de dignité, comme la résume admirablement Léon Burin, il faut, je cite, « parler bien plutôt d'élégance de l'être et du cœur. Papa, dis-moi les choses », répétait à l'infini, au cours d'une thérapie, un homme que depuis son enfance, le mépris de son père avait à tout jamais blessé. Ainsi, le malade défiguré attend-il de nous une aide pour le regard qu'il portera sur lui-même. Il attend que nous lui disions la chose, cette invisible dignité de son être que l'écran de son malheur occulte. La dignité humaine est de l'ordre du sens, elle est saveur de vie. Nous touchons là au mystère même de l'humain, à cette question essentielle que tout être venant au monde reçoit en cadeau de naissance, la question de son devenir humain, cette équation de son centre de gravité. On peut aussi vivre sa mort d'une certaine manière en vivant la solidarité humaine auprès des mourants. Aider le mourant à subir, à agir, entre guillemets, à faire sienne sa mort, à la vivre dans le respect de sa dignité d'homme ou de femme libre, est une excellente manière de préparer sa propre mort. La souffrance met en relief combien il est vrai que nous sommes des êtres de chair et à quel point est inacceptable le dualisme sommaire. La destruction du corps a quelque chose de terrible et interroge nos consciences quant au sens de cette vie et quant à la possibilité d'une autre vie. Pour la personne qui soigne le mourant, il s'agira alors d'aider le mourant dans son projet de personne, justement. Tout est à cet égard dans le dialogue. On semble découvrir ici une réciprocité très proche de celle de l'amitié dont je parlais il y a un instant. L'art magique du chaman, rappelle Lewis Thomas, consistait notamment à toucher le patient. C'est dans le fait de toucher que réside le réel secret professionnel, écrivait-il, l'habileté centrale essentielle. C'est là l'acte le plus ancien et le plus efficace des docteurs. Certaines gens n'aiment pas être manipulés par d'autres, mais ce n'est pas le cas, ou presque jamais le cas, pour les gens malades. Ils ont besoin d'être touchés. Marie de Henzel atteste dans le même sens qu'elle a développé peu à peu, je la cite, qu'elle a développé peu à peu, au contact de mes malades, si rétrécis et si souffrants à l'intérieur de leur corps en ruine, une approche tactile, un toucher de la personne qui leur permet de se sentir entier et pleinement vivant. Rien ne remplace parfois le contact d'une main, on se sent alors vraiment rencontré, écrit-elle. Plutarque a su réfuter Épicure en rappelant entre autres que le désir d'être est le plus ancien des désirs et le plus grand. De nos jours, Gabriel Marcel a pour sa part profondément marqué la portée de l'intersubjectivité. Aimer un être, écrit-il, c'est dire « toi, tu ne mourras pas ». C'est toutefois Hamlet qui exprime le plus adéquatement la situation humaine véritable du seul point de vue humain. Être ou ne pas être, c'est la question. La vérité est que nous ne savons pas de savoir humain, ce qui nous attend après la mort.
Mais la perspective d'une autre vie possible doit nous tenir, à l'instar de Hamlet, loin du suicide. Et si c'était l'infini, Dieu même, comme y insistait à son tour Pascal en son Paris, prétendre être sûr du contraire serait un cas flagrant de double ignorance. La vérité sur le plan strictement humain étant, je le répète, que nous ne savons pas. Ne pas savoir qu'on ne sait pas est le pire des maux, nous a appris Socrate, car il tue toute interrogation féconde. Seul un criminel comme Macbeth peut dire en son désespoir, je le cite à contre-cœur en français, c'est tellement beau, hein, dans l'anglais de Shakespeare, mais enfin, « Tomorrow and tomorrow and tomorrow », demain, puis demain, puis demain, rampe à petits pas, de jour en jour, jusqu'à la dernière syllabe du temps du souvenir, et tous nos hier sont éclairés par des fous, le chemin vers la poussière de la mort, éteins-toi, cours flambeau, la vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre histrion qui se pavane et s'échauffe une heure sur la scène et puis qu'on n'entend plus, une histoire contée par un idiot, pleine de fureur et de bruit, et qui ne veut rien dire, a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Voir énoncer cette phrase qui résume génialement le nihilisme, cette phrase toujours dans Macbeth de Shakespeare, « And nothing is but what is not ». La vie de la conscience, dont nous avons l'expérience intime, laisse pressentir une vie autre que simplement biologique, même si elle dépasse la représentation. Il en va de même de nos aspirations les plus profondes, dans les termes si justes de Marcel Proust. Je cite, « Il n'y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste athée de recommencer 20 fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers. Comme le port de mur jaune que peignit avec tant de science et de raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. Toutes ces obligations, qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente, semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci, et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d'y retourner vivre sous l'empire de ces lois inconnues, auxquelles nous avons obéi parce que nous emportions l'enseignement en nous, sans savoir qui les y avait tracées, ces lois dont tout travail profond de l'intelligence nous rapproche et qui sont invisibles seulement et encore pour les sots, S-O-T-S. Aussi bien, bon, fin de citation, aussi bien dans les termes de Landsberg, l'angoisse de la mort et pas seulement des douleurs de mourir serait incompréhensible si la structure fondamentale de notre être ne contenait pas le postulat existentiel d'un au-delà. L'angoisse même nous révèle que la mort et le néant s'opposent à la tendance la plus profonde et la plus inévitable de notre être. La mort n'a pas de sens propre. Elle demeure une fin brutale contre laquelle l'esprit humain proteste de tout son être. Plus est élevée la vie à laquelle elle met un terme, plus cela est manifeste, plus elle s'avère dure et brutale, plus elle est morte. Car pourquoi on s'angoisse et simultanément ce qui importe à l'homme dans son être, c'est l'être comme une plénitude que l'on voudrait conserver et ne pas perdre, écrit Edith Stein en des pages lumineuses, ajoutant, est-il pensable que l'esprit qui a partiellement marqué le corps de son sceau tout simplement n'existe plus? La demande d'euthanasie ou de suicide assisté a de bonnes chances de trahir un désir désespéré de fuir l'essentiel. L'évocation de la mort anticipée sert en pareil cas à ne pas la penser et à évacuer l'instant suprême. Mourir est-il vraiment cesser de vivre? L'apport d'Emmanuel Lévinas sur cette question et ce qu'elle implique est particulièrement remarquable, je cite, surtout dans Le temps et l'autre. Le suicide est un concept contradictoire. L'angoisse, d'après Heidegger, est l'expérience du néant. N'est-elle pas au contraire, si par mort on entend néant, le fait qu'il est impossible de mourir?
L'angoisse n'est donc pas de mourir, mais bien plutôt de ne pas mourir. Et il ajoute, il écrit aussi, « Le maintenant, c'est le fait que je suis maître, maître du possible, maître de saisir le possible. La mort n'est jamais maintenant. » Spiro, spero, deux mots latins, spiro, je respire, spero, j'espère. Spiro, spero, de cette impossibilité d'assumer la mort, écrit Lévinas, Hamlet précisément est un long témoignage. Le néant est impossible. To be or not to be est une prise de conscience de cette impossibilité de s'anéantir. Et je ne peux, pour ma part, une fois de plus, m'empêcher de citer également cette phrase, cette autre phrase magnifique de Lévinas encore. Il me semble parfois que toute la philosophie n'est qu'une méditation de Shakespeare. Lévinas marque en outre avec force le fait que la souffrance physique, à tous ses degrés, est une impossibilité de se détacher de l'instant de l'existence et qu'il y a dans la douleur et la souffrance une absence de tout refuge, une impossibilité de fuir et de reculer. On y fait l'expérience d'une extrême passivité, une sorte de subir pur. Mais on y découvre en même temps une proximité de la mort où l'inconnu de la mort signifie que la relation même avec la mort ne peut se faire dans la lumière, que le sujet est en relation avec ce qui ne vient pas de lui. Nous pourrions dire qu'elle est en relation avec le mystère. Et il ajoute d'ailleurs, « Dans cette impossibilité de connaître l'après de ma mort réside l'essence de l'instant suprême. » Ma responsabilité pour autrui atteint justement son point culminant devant sa mort, ce dernier acte de la vie humaine qui appartient à l'ensemble de celle-ci et détermine tout ce qui a précédé en bien ou en mal. De sorte que solidarité humaine oblige, l'on ne devrait jamais empêcher qui que ce soit de le vivre aussi librement que possible et qu'on doit au contraire favoriser du mieux que l'on peut l'exercice de cette liberté. La douleur peut avoir des effets aliénants, on le sait. En atténuant les souffrances, les soins appropriés peuvent procurer une détente psychique et organique propice à une meilleure présence à soi et aux autres en cet instant crucial. Comme l'a excellemment marqué Tolstoï dans ce texte magnifique « La mort d'Ivan Ilitch », l'importance de cet instant est en effet définitive, car il s'agit de l'instant où l'on peut tout corriger, tout accepter et se réconcilier, ou tout rejeter selon le cas, l'instant de la toute dernière chance de reconnaître, voire donner en son fort intérieur, un sens définitif à sa vie, quoi qu'il paraisse à l'extérieur. Un sage antique, Sénèque, ne rappelait-il pas l'évidence qui suit « Rien, Lutilius, ne nous appartient, seul le temps est à nous. » Ce bien fugitif et glissant est l'unique possession que nous ait départie la nature et peut nous en chasser qui veut. Telle est la folie des humains qui se sentent redevables du moindre cadeau peu coûteux qu'on leur fait, remplaçable en tout cas, mais que personne ne s'estime redevable du temps qu'il a reçu en partage, alors que le plus reconnaissant des hommes ne pourrait le rendre. La mort exige d'être vécue, accueillie et partagée solidairement, en pleine conscience, liberté et responsabilité. Libérer, c'est rendre libre, ou plus libre, par des soins appropriés, par exemple, comme je viens de le dire. Euthanasier, c'est par contre supprimer le sujet libre lui-même en lui enlevant l'existence. Parler d'une libération s'agissant d'euthanasie est une manifeste contre-vérité, puisque le terme d'une libération, c'est la liberté. Enlever la vie au patient, c'est au contraire le priver de sa liberté en le supprimant lui-même, violant ainsi de surcroît ce droit fondamental entre tous qu'est le droit à la vie. Il importe donc au plus haut point de mieux cerner la liberté elle-même et la responsabilité de part et d'autre, de même que le rôle capital de la conscience de chacune et de chacun face à ces difficiles questions qui ont préoccupé les philosophes depuis les débuts, mais qui revêtent une acuité renouvelée dans le contexte de domination technologique et d'anonymat croissant qui est le nôtre. Il y a euthanasie lorsqu'on a l'intention de donner la mort. Il est admis depuis longtemps qu'il n'y a pas euthanasie quand on a l'intention de soulager les souffrances d'une personne malade, même si, comme effet secondaire, l'administration de médicaments peut en accélérer la mort.
plaider pour de tels soins n'est par conséquent pas du tout plaider pour l'euthanasie. Ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, et le sondage dont on fait état dans les médias aujourd'hui, on peut, si vous regardez la façon dont la question est posée, c'est précisément la confusion. On considère que soulager la souffrance, etc., qui peut parfois résulter, accélérer la mort, ce serait de l'euthanasie. Ce n'est pas de l'euthanasie. C'est le sondage est complètement biaisé au départ. Les questions sont mal posées. On se moque du citoyen. Cela étant, l'appel à la mort pour soulager la souffrance est pour le moins ambigu. La libération réclamée est celle qu'apportera le soulagement de la souffrance, lequel doit être, et pour cause, une priorité dans les soins, justement. Trop d'interventions médiatisées à outrance confondent, c'est ce que je suis en train de dire, l'intention de soulager la souffrance avec celle d'éliminer la personne, auquel cas il y a homicide. La patiente ou le patient a bien plutôt la dignité d'une fin en soi, nous l'avons vu. C'est cette dignité même qui commande des soins, et plus particulièrement les meilleurs soins palliatifs possibles. L'interdiction du meurtre est une loi non écrite, avant même de prendre la forme d'une législation positive, tout comme celle du droit à la sépulture défendue par Antigone. C'est que le meurtre porte atteinte à la dignité humaine et à la règle d'or, qui a aussi été évoquée aujourd'hui, sans parler du caractère sacré de la vie pour celles et ceux qui croient à ce dernier. Dans ces conditions, si je ne me trompe, euthanasier un être humain reviendrait à lui infliger une mort indigne, bien plutôt. Dans le visage d'autrui, pour peu qu'on le regarde, se lit d'ailleurs cette interdiction de le tuer. Interdiction qui ne rend pas le meurtre impossible, certes, car il s'agit d'une exigence éthique, mais elle explique pourquoi, comme l'a souvent évoqué Lévinas, le meurtrier est incapable de regarder sa victime dans les yeux. Être responsable, le mot l'indique, c'est répondre de, mais c'est d'abord répondre à. Je suis obligé de répondre à l'appel du visage de l'autre, à son autorité, à sa commande, tout particulièrement à travers la souffrance. La fable de La Fontaine, La mort et le bûcheron, reprise d'Ésope, décrit un malheureux qui appelle la mort à son secours, mais qui n'en veut plus du tout aussitôt qu'elle se montre. Plutôt souffrir que mourir sera son dernier mot. La demande d'euthanasie sous l'empire de la douleur et de la souffrance est un appel à la responsabilité pour autrui qui impose d'interpréter le vrai sens de cette demande. Je crois qu'on peut voir ici toute la portée de la remarque suivante, une autre remarque de Lévinas. Je cite, « L'épreuve suprême de la liberté n'est pas la mort, mais la souffrance. » C'est à cette épreuve de la souffrance que médecin, infirmière ou infirmier et toute personne humaine concernée ont à répondre. Un grand absent des débats autour de l'euthanasie et du suicide assisté me semble être la conscience. On fait remarquer à juste titre que nul ne peut imposer ses propres croyances aux autres. En déduire cependant, comme on le tente parfois, que nous devons dès lors accepter de donner la mort à quelqu'un qui nous le demande, même si nos convictions ne sont pas les siennes, ne tient pas la route. Puisqu'en vertu du même principe, l'autre ne saurait non plus m'imposer ses propres convictions. Si je donne ou favorise activement la mort, c'est moi qui aurais posé le geste, et c'est de ce geste que je devrais répondre devant ma propre conscience. La conscience de l'autre ne saurait me servir d'alibi. Oui, brève conclusion. Il ne faut pas se leurrer, la vie éthique est difficile, elle concerne justement les consciences, et vise au bout du compte l'action singulière concrète qui est toujours une création contingente, inédite. Au centre de toute réflexion éthique se découvre le caractère ineffable d'une décision éthique. Dans le maquis de circonstances souvent largement imprévues et imprévisibles, que seules peuvent assurer un véritable sens des valeurs et la clarté des consciences. Pourrait-il qu'il puisse être sans doute parfois les codes de déontologie et tout ce qui y ressemble, sont en somme appelés à être toujours dépassés, spécialement aujourd'hui, devant la complexité, l'aspect encore jamais vu de tant de problèmes pourtant réels de notre époque. La multiplication des lois caractérisant nos sociétés est le résultat obligé d'un déficit éthique.
les revendications de droits prolifèrent dans l'oubli de devoirs élémentaires de civisme, de respect des personnes, etc., reconnus pourtant dans toutes les civilisations dès leur début, grecques, indiennes, chinoises, égyptiennes, judéo-chrétiennes et autres, comme je l'ai relevé. En une société civilisée où chacun a une parole, il est besoin de beaucoup moins de lois. Corruptissima Republica plurime leges. Plus l'État est corrompu, plus les lois sont nombreuses, faisait observer le grand historien latin Tacite, témoin privilégié de la décadence romaine. Le désir de légaliser à tout prix l'euthanasie serait-il de cet ordre ? Merci. Thank you.